Alors, bonjour, bon matin tout le monde. Je suis à Saint-Joseph de Kamouraska, le village le plus jeune au Québec. Alors, je avec Marielle. Bonjour Marielle, oui, Frédéric, ça va bien? Oui, ça va bien. Et je suis avec Loïc. Loïc, c'est l'instigateur du projet d'une piste de BMX accréditée, hein, c'est ça? Oui, ça va être homologué, par la FQSC, la Fédération des sports cyclistes. Qu'est-ce qui fait la différence d'une piste traditionnelle d'une piste accréditée? Ben, il va répondre. Oui, OK. Ben, dans le fond, une piste en étant homologuée, on peut se protéger là, au point de vue des assurances. Puis okay, tout ça. Okay. Puis la piste, elle va être plus sécuritaire parce que les bosses, les sauts, tout va être calculé pour que ça rentre dans les normes de la Fédération. Donc, okay. ça va être une belle piste. All right. Alors, imaginez-vous, là, on est dans le village le plus jeune au Kamouraska et probablement le plus jeune au Québec. Il y a des familles et des enfants ici à toutes les maisons, pratiquement. Et ça, là, ça veut dire que ces jeunes-là, ils vont pouvoir vous inviter. Hein? Les jeunes de partout au Québec vont pouvoir venir ici. Exactement. De toute la région pour venir faire du BMX à Saint-Joseph. Okay, mais pour financer ça, ça prend des sous, évidemment. Ça prend des sous, exactement. Marielle, comment on finance ça? Oui, bien, en fait, on est vraiment chanceux parce qu'on a beaucoup de commanditaires et d'entreprises qui nous font des dons. Donc, même le terrain ici, là, M. Éric Charret nous le donne. On a la ferme Christian Sirois qui nous donne une bonne partie du terrain aussi derrière. Ça va être gros, là. Ça va être tout ça, ce terrain-là, en arrière. Oui, je pense que c'est 3500 mètres carrés environ qu'on va avoir. Donc, au début, on voulait partir une petite piste de BMX, des petites bosses mais et finalement... Mais Loïc a des grandes ambitions, hein, Loïc? On veut de quoi de bon, là. On veut de quoi de bon. Alors, financer ça, je pense qu'on a des gratteux, hein, qu'on va vendre? On a des gratteux, exactement. Donc, des cartes à gratter, des montants de 10 sous à 2 $ et les gens peuvent gratter jusqu'à 20 $ On va aller faire gratter du bon tantôt, ça va voir. Oui. Alors, le montant total du projet, c'est quoi? Avez-vous une idée? Bien, je dirais que c'est environ 40 et 60 000 $ 40 et 60 000. Mais là, c'est sûr qu'on est quand même bien parti là, avec tout ce qu'on a déjà d'acquis. Oui, d'acquis, oui, c'est ça. Parce que c'est des biens, il y a des biens et services, pas juste de l'argent, hein? C'est ça. Okay. On a la municipalité qui est avec nous. On a la MRC avec le Fonds de développement des territoires qui nous a donné une belle subvention. On a l'URLS aussi. Il y a les industries des jardins également à Saint-André qui sont en train de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous, pour la construction de la piste et pour des équipements. En parlant de la municipalité, là, attends-moi un petit peu. Tu dois-tu être fier de tes jeunes quand tu regardes ça? Nancy, c'est la mairesse de Saint-Joseph. Tu dois être fier quand tu vois ça? Fier, oui. Ça va m'amener à aller m'acheter un BMX. Elle est bien capable, Très fière, parce que c'est un jeune de 9 ans. L'idée est venue de ce jeune-là. Quand même incroyable, ça. Chapeauté de sa maman et d'une belle gang autour, là, ouais. C'est vraiment super. Écoute, je vous félicite. C'est vraiment extraordinaire. Et on va aller gratter, là, on s'en va gratter à Sainte-Hélène, hein? Oui, exactement. On s'en va à l'épicerie à Sainte-Hélène. J'aimerais rajouter aussi les entreprises Rémi Charest qui nous soutiennent beaucoup dans le projet. Donc, absolument. Puis il y en a d'autres qui sont intéressés, là. Entrez en contact avec la municipalité, puis ils vont vous donner les contacts. On est le club de BMX, les Lynx du Kamouraska. Les Lynx du Kamouraska. There you go. Alors, on vient de prendre fin du BMX encore, les amis? Oui! Way to go! OK. Alors, on a Bernard Généreux ici sur son BMX. C'est génial! Ouais! Prêt pour l'inauguration, Bernard? Oui! Donc, on voudrait remercier le club de BMX, la meute de Rivière-du-Loup, qui nous soutiennent énormément dans le projet, qui nous coachent là-dedans. On sent vraiment qu'on est un team. La même chose avec Eau Claire, donc Phoenix, qui est leur club de BMX dans le Témiscouata. Donc, vraiment, on est les trois clubs de l'Est du Québec. Et d'ailleurs, on les voit ici. Donc... Oui, comment? Vous êtes capable? Oh yeah! Way to go!